Depuis son premier titre en 2001, Le Soir du Chien, Marie-Hélène Lafon est restée fidèle à son éditeur Buchet Chastel. Par la qualité de son écriture, son travail sur les mots et la syntaxe, mais aussi par les histoires dont elle s'empare, telle une conteuse, Marie-Hélène Lafon a fédéré autour d'elle un public fidèle, libraire, lecteur, sensible à son écriture, développée dans plus d'une douzaine de titres, dont Sur la photo, L'annonce ou Nos vies. Des romans qui font partie d'une bibliographie dans laquelle les racines familiales et le lien à la terre sont des récurrences. Attachée à son Cantal, et bien qu'installée à Paris depuis une quarantaine d'années où elle enseigne les lettres, Marie-Hélène Lafon fait toujours évoluer ses personnages dans sa région natale, comme dans Les Pays ou encore Joseph. Ce sera le cas encore avec ce nouveau titre, Histoire du fils. Ce fils, c'est André. Élevé avec beaucoup d'amour par son oncle et sa tante à la campagne, grandissant auprès de ses trois cousines qu'il chérit, André ne voit sa mère que deux fois l'an quand la belle Gabrielle vient passer quelques jours chez sa sœur, quittant ce Paris qu'elle aime tant et où elle vit en totale liberté, ce qui n'est guère courant pour une fille de province dans les années 1920. Quant au père d'André, mystère, Gabrielle n'en a jamais rien dit. Et c'est avec ce secret qu'André va grandir. S'inspirant d'une histoire personnelle qu'elle a volontairement réinterprétée, Marie-Hélène Lafon nous raconte ses familles, nos familles, où l'on grandit sur les non-dits, où les générations se succèdent sur une zone d'ombre qui se révélera peut-être au grand jour quand on ne s'y attend plus. Sans dialogue, privilégiant la narration, Marie-Hélène Lafon nous offre une galerie de personnages qui tous pourraient être des membres de nos familles, des êtres de chair et de sang, cachant leurs blessures pour avancer vaille que vaille. Mais au-delà de l'histoire, c'est aussi un roman d'ambiance, dans la froideur du Cantal, la chaleur du Lot, la lumière de Paris, entre hiver et été, des années 1900 à notre époque contemporaine. Marie-Hélène Lafon écrit comme on peint. Alors à votre tour, prenez le temps de vous arrêter devant ce nouveau tableau, laissez-vous inspirer et bouleverser par le nouveau titre de Marie-Hélène Lafon, L'histoire du fils. Le livre est publié chez Buchet Chastel.